Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Tales of Symphonia. Dans le présent épisode, nous avons essayé de sauver Colette en venant à Sibac pour apprendre donc d'où venaient tous ces problèmes, et on nous a dit que c'était parce qu'elle avait pas de certi-clé. Wouhou. Et malheureusement, on a essayé d'en fabriquer un avec un certi-clé à moitié effacé qu'on a trouvé chez ce marchand de babioles. Et malheureusement, ben ça a pas marché. Donc on s'est dit, tiens, si on allait chez Dirk. C'est logique, ouais. Et malheureusement, ben, les chevaliers pontificaux nous ont entendus. Ils ont arrêté Rain et Ginez en intention de les exécuter parce que ce sont des demi-elfes. Ils nous ont menti, ce n'étaient pas des elfes, tout court. Donc, mensonge. Sheena est intervenue, elle nous a libérés parce que nous avons été emprisonnés aussi. Et nous devons aller sauver Ginez et Rain, mais c'est ce que je suis pas en train de faire justement parce que je parle ici. Le sort de Sheena d'abord. Allez. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Wow, voix très féminine que j'ai eue pour elle, là. Ça va aller mieux. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je me recueillais pour que Colette retrouve la santé. Je vois. J'espère qu'elle retrouvera la santé rapidement. Bah, elle est pas malade, c'est... Oui, moi aussi. C'est juste qu'elle a perdu son âme. Bref, maintenant que c'est dit... Nous devons rejoindre le pont avant qu'il ne soit trop tard, vite. Le pont, méfions-nous, on n'a plus de soigneurs. Pont de Tessehalla. Vite, au pont de Tessehalla. Nom d'un chien, j'espère qu'ils vont bien. Ça rime. Le grand pont de Tessehalla est mobile. On ne pourra rien faire s'il le relève devant nous. Ralentissement du rythme dû à la discussion en chemin. Oui, Prézé a raison, il faut se dépêcher. Heureusement, il est long ce pont. Très très long. Et on a effectivement une menace potentielle, c'est que s'il décide de relever le pont devant notre nez, on va crever. Espérons qu'ils le font pas. Allez. Vache, mais il y a combien d'écrans dans ce maudit pont? Safe landing due to an unknown force. No damage detected. Phew, thought I was gonna die. Thanks, Sheena. I'm sure glad I was able to summon her. Excuse me, but Professor Sage and Genus are... That's right, we have to save them! Damn! They must have escaped! Give us back our friends! Silence!
Il nous aura pas fallu longtemps avant de nous retrouver contre les chevaliers pontificaux, hein. Donc, normalement, ils sont supposés avoir des experts, mais ils sont pas très forts. C'est un peu les désirs, en fait, de ce monde. Judgmento! Pas grand chose à dire sur eux, honnêtement. C'est juste... Oula, elle a eu le temps de la lancer de justesse, je pense. Ah, j'ai une hache à double tranchant maintenant. Ok, elle avait été identifiée. Toi, comment... Aïe, aïe. Prends pas beaucoup de dégâts quand même. Faut que je retire bête de ce du côté, parce que je commence à en avoir marre de m'en servir involontairement à chaque fois. Niveau 1, j'ai que du niveau 1. Bah vas-y hop. Voilà, t'es mort. Ball d'Apple, les 3 ont raté. Pas envie de cuisiner. Lloyd, everyone. You came to rescue us. Of course. You're our friends. But we're half elves. So what's your point? Lloyd. What about the Tethiala half of our group? Do you mind if we join up with you? I'm from Mizuho. We're not exactly mainstream either. We're not that different. To tell you the truth, I can't say I'm really kosher with this. Then again, people have always treated me differently, saying that I'm a descendant of angels. So in a way, we're a lot alike. I just want to go home. I see. All right then. By the way, why is Sheena here? I have orders from my chief. I'm supposed to observe your activities. That's typical of Mizuho. They're trying to decide if they should side with the king or you guys. So now we have two people keeping tabs on us. But I'm not trying to do anything or get in your way or anything, so... We know that already. You're an honest person, perhaps to a fault. At this point, I'm okay with anything. Now we just need Sheena to form a pact with Volt, and we can get those Riards working. Volt? Sheena? Nothing. Then shouldn't we go get the Riards first? Either way, Volt's temple is on the other side of the Grand Tethiala Bridge. It'll be faster if we pick up the Riards, since the bridge is closed off right now. Pick up? How are you planning on moving those things? Just leave that to me. I prepared a secret weapon just in case something like this happened. What secret weapon? It wouldn't be any fun if I spoiled the surprise. Now let's get going! To the Fuji Mountains! I can't believe we're gonna have to climb that mountain again. Donc, Zelos a prévu une situation où il faudrait récupérer des machines incapables d'être déplacées en haut d'une montagne. Il pense vraiment à tout. Donc nous avons récupéré Rain. Et en fait, on a récupéré quasiment tout le monde. Comme vous pouvez le constater, on n'a jamais eu autant de monde dans notre groupe. Donc, ouais, ben de toute façon, je pense laisser ce groupe-là pour le moment. Je dis pas que ça va être uniquement ça, je vais probablement changer à mi-chemin. Mais les demi-elfes à Tessala. Disons que j'ai besoin qu'ils s'entraînent un petit peu sur certaines de leurs attaques. Et j'ai envie d'utiliser Prezea pour le moment, donc voilà. Alors, Rain et la demi-portion sont des demi-elfes. Ne me dis pas que tu vas les rejeter, toi aussi. On pourrait le croire, mais... Il faut que tu comprennes que j'ai été élevé pour penser comme ça. Les demi-elfes sont bêtes, sauvages et dégoûtants. C'est pour ça qu'ils travaillent dans des académies. Alors toi ? Lloyd, calme-toi. Du calme, l'ami. Je ne fais que répéter ce que tout le monde pense. Bon, ça ne fait pas longtemps que je les côtoie, mais je constate que ce sont des gens bien et pas différents de nous. Bien.
Sachant cela, le fait d'être incapable de voir les choses autrement relève justement de la discrimination. Comme vous le constatez, Zelos est loin d'être un simple imbécile qui passe son temps à courir après les filles et à vouloir l'adulation, l'adoration et à abuser de ses pouvoirs quand la situation le lui permet. C'est quelqu'un de beaucoup plus profond que ça, mais il aime pas nécessairement l'être. Bref. Génial, tu peux te casser. Non, non, génial. Mon Fuji! Des monstres ont vraiment commencé à apparaître. Mais le rituel de la régénération n'a pas eu lieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas causé par une perte de mana, alors ce doit être l'œuvre du Cruxis. Pour essayer de faire du mal à Colette, ils ont les moyens de faire ça? Ce n'était qu'une supposition, rien n'est moins sûr. Si vous voulez mon avis, c'est plutôt que comme on a brisé les sceaux à Sylvarand, ça a réduit la quantité de mana qui se trouve ici, permettant l'apparition des monstres. En fait, un peu comme si on retirait du mana de Tessehala pour le mettre à Sylvarand, mais qu'en échange, des monstres qui se trouvent à Sylvarand émigrent vers Tessehala. Truc comme ça. Après, ça peut être aussi un plan visant à rendre le monde qui n'est pas prospère, justement, encore pire qu'avant. Bref. Tac, 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 tac. Méchant pas beau. Il m'a pas vu. Il m'a vu, non! Ouh là là, c'est plus les mêmes. Ah oui, parce que... Ah bah oui, d'accord, c'est ça, c'est entendu par des monstres. Donc nous avons un zombie qui a pas mal progressé depuis la dernière fois. On a un démon et on a un fantôme. J'ai commencé par analyser le fantôme. Ah ouais, d'accord, le fantôme, c'est carrément le fantôme du début, quoi. Et enfin, nous avons un démon. Et lui, par contre, il a les PV pour. Et donc, à force, je vais pouvoir arrêter de laisser Colette spammer son jugement. Omelette. Ah bah oui, Genos n'est parti, donc... pourquoi Omelette, d'ailleurs? Ah oui, si, c'est vrai, c'est moi qui avais changé, bref. Genos, non, pas Aeta. Cuisine. Prezea est pas nécessairement un excellent personnage pour la cuisine, de ce que je sais. Tu vas te mettre... Ah, c'est du pain qui me manquait, bon. Risotté. Oh, ça va, le risotté, ça peut en faire pas mal, quand même. Tu vas te mettre à faire du risotté et on va se contenter de ça pour le moment. Ah, maintenant on a un blob, mais je crois que je l'avais déjà analysé justement, ça doit être le même qu'au début. Mais par exemple le zombie n'est pas le cas, donc je sais pas si c'est normal. Bref, et enfin la loupe magique pour voir que les chimères sont pas des rigolotes non plus. Voilà. Coup de hache dans la tête. Bref. Est-ce que j'en ai bientôt fini? Dites-moi que oui, dites-moi que oui, dites-moi que oui. Ah, je peux pas passer, n'est-ce pas? Non. J'abuse un peu de la cuisine, mais... Ah là là. J'apprécie pas qu'on soit bloqué dans comme ça. Alors, si jamais vous étiez parti pour le titre « Je hais la gelée », vous savez, en utilisant aucune gelée de pommes, de citron, en admettant qu'on puisse en avoir, mixte, d'orange et tout ce qui va derrière. Pour le moment, vous voulez avoir Genos dans votre équipe actuellement. Alors de mon côté, je vais retirer Lloyd, je vais laisser Prezea dedans. Je pense que je vais laisser comme ça. Normalement, je devrais modifier Zelos et pas le laisser tel qu'il est. Mais d'une certaine manière, ça m'arrange qu'il fasse, qu'il continue d'être en spam boule de feu comme un nonneux. Il l'a déjà utilisé 31 fois, encore un petit peu, et de revenir par apprendre éruption. Je continuerai à le maintenir comme ça pour les 3 autres sorts et ce sera tranquille. Bon, c'est vrai que je peux peut-être lui activer quand même premier soin. Voilà, je pense que vous en doutez.
on va avoir un combat. On a un point de sauvegarde ici, si vous voulez vous y préparer. Et en avant. Hey Zelos, how are we going to carry these? Oh, I'll show you. Come over here for a sec. You've walked right into my trap, fools. He just called you a fool. Zelos is clumsy. Ah, I'm so sad now. You, retrieve the Riards. Yes, sir. This time, you're mine, Lloyd. Damn! Oh, Lord Yuen, what brings you to this place? I think I've seen that lady somewhere before. I should ask you the same, Pronima. The role of you Desians is to wreak havoc upon the declining world. I have come here on Lord Yggdrasil's order to retrieve Colette. Please turn her over to me. Fine. But in exchange for handing over the Chosen, I'm taking custody of Lloyd. I trust you have no objections. I've received no orders in regards to him, so please do as you wish, my lord. Colette, don't go! A futile effort. Your words cannot reach a Chosen who has lost her soul. What is this? Why is there such a crude key crest upon the Crucius crystal? How pathetic. I shall remove this ugly thing at once. No! This is a birthday present that Lloyd gave me! Colette, Spo! Colette, are you back to normal? What? Why is everyone inside that thing? Impossible. There's no way that pitiful key crest could restrain the Crucius crystal. Wow. Not bad, Lloyd. How could this happen? Still, in the end, it is but a worthless bauble. It shan't last long. Now, come with me. Let me go! Whoops. Oh no, I broke it! All right, good job, my little Colette. I think I'm falling in love. Now that's our Colette! Some things never change. That brought back some painful memories. Colette! Lloyd! Lloyd, thank you for the present. I was so happy. I was really happy. But there wasn't anything I could do at the time. It's okay, don't worry about it. Behind you! You impudent! Prepare to die! You will pay for making a fool of me! Et nous voici contre Pronima! Ouch! Pronima est la chef des 5 grands cardinaux d'Ezian. C'est donc pas n'importe qui. Et elle est plutôt agaçante, mais pas vraiment très dangereuse. Elle possède Agorasium et Leonasium, qui sont deux attaques assez ennuyeuses. Oh oh. Bah ça va, je sais pas qui a été touché, mais c'est pas moi. Donc Lloyd a déjà perdu tous ses PM, il en commençait avec 100 et il les a tous bouffés en un clin d'œil, probablement parce que je vais pas bloquer ses techniques les plus coûteuses. Croc démoniaque féroce, tempête psy, bon vas-y prends bête. Et ça c'est deux attaques que je vais lui désactiver parce qu'il aurait jamais dû les avoir de toute façon vu leur coup. Tu m'étonnes qu'il ait bouffé en un clin d'œil tous ses PM. Bref. Elle est pas extrêmement... Enfin, elle peut faire mal. Vous avez vu qu'elle m'a fait plus ou moins du 1000 de dégâts. Et elle possède de bonnes attaques, mais...
C'est pas nécessairement l'adversaire le plus puissant qu'on ait eu à affronter. Ah. Elle possède pluie acide, un peu comme Killia. En fait, c'est Killia, mais en plus puissant, pour être tout à fait honnête. Ah, ça a été annulé ou... Non, ça n'a pas été annulé, donc je vais le faire quand même. Mais nous, bouclier pour annuler ce... Oh oh. Voilà, donc déjà on va dégager notre baisse de défense parce que j'ai pas envie de me balader avec une défense affaiblie contre un adversaire de ce style. Oh oh. Bah dis donc, j'ai eu du bol parce que Lloyd, j'ai l'impression, était en train de courir dans l'attaque. Dans la... Hey Stanley now! Alors, bah non, je suis pas Genus, mais il a lance-glace, je crois, Genus. Ben, tornade glacée est l'équivalent que vous... Et enfin, elle est son équivalent si vous êtes du côté T. Oh oh. Non, c'est pas sur moi. Donc, on peut s'amuser à lui tabasser dessus et elle est morte. Vous pouvez constater quand même que Prézé inflige des dégâts bien plus massifs que Lloyd. Enemy has been defeated. We should move on. Cold. Donc Gemex niveau 2, Romarin, on est content. This is the perfect opportunity. Ewan, I'm going to settle our score right. Kratos. What are you doing here? Leave, Ewan. Lord Yggdrasil has summoned you. Yeah. Are you taking the Chosen? No, we shall leave her for now. It's the toxicosis. I see. Lloyd, our battle will have to wait. He's an angel too? Damn it, Ewan! Wait! What are you doing? What? Why have you come all the way here to Tethe'ala? I'm here to save Colette. What good will saving the Chosen do? The relation of the two worlds vying for each other's mana will not change. Their positions have merely been reversed by the regeneration ritual. Has Tethe'ala begun to decline? The Tower of Salvation can still be seen from this world as well. As long as that exists here, it means that this world is still flourishing. Although in the event that the Chosen becomes Martell's vessel, Tethe'ala will surely bid farewell to its era of prosperity. Damn it. Isn't there anything that can be done? Yggdrasil's the one that built this twisted world. Lord Yggdrasil does not consider it twisted. If you want to do something about it, use your own head. I thought you weren't going to make any more mistakes. Yeah, I'll do it. This stupid system of two worlds stealing mana from each other. I swear I'll change it. Well, do your best. I remember. That Pronema was the one on the projector at the Asgard Ranch. That means she's a Desaian. Now that Kratos came to interfere and all, it looks like the Desaians and Crucius are really the same organization. It would appear that Ewan is connected to Crucius as well. This is all so confusing. In other words, they're all our enemies, right? Yes. That means we must be careful of everyone, including the Renegades. De toute façon, ils nous ont un peu forcés à fuir très loin très vite et ils nous ont tendu un piège là. Donc, ouais, on a toutes les raisons de se méfier des Renegades. Colette, is everything else back to normal? Besides your voice, can you feel things and such? Yep, I think I'm okay. Thanks, everyone. And I'm sorry I made all of you worry so much. Hey, you know what? I think I'm hungry for the first time in a long while. That's great! It looks like I still have wings, though. Oh. Hmm. Just like I thought.
Colette is definitely cuter when she smiles. Let's see, you're... Zelos? Oh, you remembered my name! We chosen have to stick together, you know what I mean? Okay. Now what shall we do? Since Colette has regained her soul, there's no need for us to head immediately back to Silverant, but... We know what we have to do. We're going to search for a way to save both worlds in order to prevent any more chosen like Colette. I agree with Lloyd. I promise Sheena, too. Colette. What about Prisea? It's not fair to keep dragging her around like this. I want to go home. Oh yeah, that's right. We need to bring Prisea to that Kate chick. Unfortunately, I doubt we can use the Grand Hethiola Bridge anymore. I have contacts in Meltokio. Let's ask them for help. But we're wanted traitors. Can we even get into Meltokio? Leave that to me. I know Meltokio like the back of my hand. All right. We're counting on you, Zelos. You got it. You can always count on me. Now, my honeys, we're off to Meltokio. Colette? What's wrong, Lloyd? Welcome back. I'm glad to be back.